Nous allons vous présenter aujourd'hui une maladie neurologique qui est la maladie de Parkinson. Nous allons voir ses causes et ses manifestations. L'origine de la maladie de Parkinson est encore inconnue. Le trouble déterminant est la mort des neurones dans la substance noire du cerveau. Elle aboutit à la formation de dépôts protéiques dans les neurones touchés. Ce sont les neurones contrôlant les mouvements, appelés motoneurones, qui sont détruits dans la maladie de Parkinson. De ce fait, sa principale manifestation est motrice avec le triade caractéristique bradykinésie, ou ralentissement du mouvement, rigidité et tremblement. Des troubles non moteurs peuvent faire leur apparition selon les patients, comme les symptômes végétatifs tels que les troubles de la régulation de la pression artérielle, les symptômes sensoriels, notamment les douleurs, les états de dépression, les troubles de la fonction olfactive, la démence et ou le ralentissement des processus de pensée.